Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, on va commencer cette émission Bande Konanga avec l'arrivée Bandeko du roi Philippe et la reine Mathilde à Kinshasa. Bandeko, nouvelle koi était roi Philippe et la reine Bazokoma à Kinshasa et puis après Bakokende na Kivu. Et puis Bandeko vous a fait la décoration. Il y a Caporal Albert Kouniku, ou Azala qui est ancien combattant Bandeko, ou seul Azala survivant. Et puis, bah, on va vous donner un dernier mot. Tous à la connecter, tu ne devrais pas en émission là-dessus. Deuxième point, chers téléspectateurs. Tête à tête, tu sais que Dieu s'assure à Oyo Bandeko. S'il a fait Rwanda 1-23, Boyoka Oyo s'assure à l'autre. Bandeko, ma solo ya Oya Rwanda 1-23, va décider donc parce que Kalate, Tokoyoka et Bandi. Opération auto donc docile do saga M23. Alors maintenant yoka oyo sasuali. Troisième point Bandeko nanga. Boyoka oyo André Mbata alobi Bandeko. Si Joseph Kabila et le FCC si l'élection 2023 a tchema kamula mesa. Ezaya koinda et si quatrième point Bandeko nanga. Boyoka oyo ambassadeur chinois lobi. Si ba minera e bese. Bandeko, boyoka interview. Nam denge ba miyibi basa ko yiba illégalement baso travailler na ba miyibi. Bandeko sa somo. Metan boyoka interview wana. Boza na kal. Boza na collecte. Alors, tous à la connecte. Donc, on devrait pas une émission là. Alors, Bandeko nanga mission na biso bandi et comme étant autre sur l'ensemble la situation politique à RDC. Yeb sabaninga nyoso place oza était tangwe koki autre sur la masolo ya mboka. Bandeko ba point le lieu za tellement épelé, tous à la connecter Bandeko pour tout développer ensemble na ma situation nyoso zo le kana mboka. Otoko banda d'abord Bandeko nouvelle au ekoyi. L'arrivée du roi Philippe et la reine Mathilde Bandeko à Kinshasa. Bako sala 6 jours, 17 au 13 juin. Nouvelle koi, alors Bandeko nangai. Ba pesaka ba rendez-vous à chaque fois et simbaka te membala oyo bako. Arrivé là, Bandeko ako banda d'abord ako décoré pe. Boyebi tozana caporal Odia Bandeko. Donc, na deuxième guerre mondiale, yeka mtatikali. Bako dekore. Boyebi dernier mazaki na ministre de défense. Donc, masolo pena kitoko pona ye. Yeka mtatikali. O bakene ko bunda. Na makamu na biso ya. O makamu ya deuxième guerre mondiale. Alors, mena Bandeko. Après wana kokende na Sud Kivu na hôpital ya docteur Mukweki et pa wapi sangwe panzana monte ibete hôpital wana bateta basi obazaki violé na bagero ezana est oyo Bandeko alors akokende kuna. Alors comme d'habitude Bandeko nanga totanga ensemble po tomeka ko comprendre programme ya roi Philippe et la reine Mathilde en RDC. Alors, lisons ensemble. Bandeko, mais roi, donc Azaï Penako Satan depuis Makuta Nagana Fachita, Fachia Kenegi Kuna, a sala qui programme est à Koya Kinshasa. Il fallait ya, na 30 juin, mais, et Simbakate na 2020, va changer à Kiyama. Le roi Philippe et la reine Mathilde en visite officielle à Kinshasa, 17 au 13 juin.
Le roi Philippe et la reine Mathilde de la Belgique sont entendus à Kinshasa, en République démocratique du Congo, c'est mardi 7. Et puis, si le 13 juin, l'agenda du couple belge prévoit des échanges avec des officiels congolais à Kinshasa. A kokutana na officiel congolais na Kinshasa. C'est une makambo tozanango. Oya Rwanda, po bango pe bayebi. Oye le kaka, bayebi situation wana très bien. Et yé na même moment. Donc moment mo kito. A Kinshasa, le moment fort de leur présence sera sans doute la décoration à la plus haute distinction, caporal Albert Kounyunku, bande collé dernier ancien combattant, encore vivant, il a combattu bande Konangai de la Deuxième Guerre mondiale et vient de célébrer ses 100 ans d'âge. Et c'est Sengo. Bazamingiti, pourquoi tu as lié Mokuma Kamkato Lubati? Basanta il faut pas la ébélé. Et donc, mboka makambo ezala bien. Ba mikolo baza pena mingite na EDC bazo kufa avant. Il fallait ba mikolo nyoso na EDC ba koma na mbula oyo. Les souverains belges visiteront également l'Académie des Beaux-Arts dans la capitale congolaise. Et pas wapi boyebi. Na Académie des Beaux-Arts ba ndeko basala ka vrai oyo ka makambo a bien. Ba kozala kuna. Par la suite, le couple royal et toute sa délégation se rendront à Lubumbashi le vendredi 10 juin. Vendredi 10 juin, bakozana Lubumbashi. Baebi capitale wana très bien. Aebi l'histoire, la sécession du Katanga makambo ebele. Alors roi Philippe bakozala. Après tapa Katanga, kuna pena na Katanga okuta na grave question. Pour ma solo ezaguna. Alors, après Katanga, leur programme sur place prévoit une visite de l'école belge, ainsi que des projets de développement financés par Enabel, l'agence belge de développement, Après, un rendez-vous est également prévu avec des étudiants congolais de la ville katangaise. La délégation mettra le cap sur Bukavu pour rencontrer le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Botala, Denis Mukwege n'est pas au PC valeur. Vous savez, l'air à soi qu'a prix Nobel de la paix, Bandeko, n'a aidé ce balobé le côté, n'a gouvernement où il est kaki. Prix Nobel de la paix, on n'a même pas en parler, n'a aidé ce n'a l'air ouana. Mais après, monde komi koloba. Alors, bisopé na EDC, tobaniko tombola le prix Nobel de la paix. Ils iront à l'hôpital la Fondation Panzi, Boyebiango, et pas au Bassoyaka, Basio Basaki Viole. Deux institutions réputées mondialement pour leur modèle de prise en charge holistique des survivants de violences sexuelles. Donc, Ekozale Sengo, Wana, Oyokaka, programme Bandeko. Ndenge Eko Salama. Le couple royal recevra également les ressortissants belges pour des dîners privés. Les ressortissants belges sont basés dans l'EDC, mais basés dans Belawa. Mais solo na couple royal. Le couple royal belge sera accompagné d'une grande délégation gouvernementale composée du Premier ministre Alexandre De Croo, ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès, et ministre de la coopération au développement. Boyebiki, ba ministre Bayaka déjà, na EDC, pour l'investissement belge. Donc, délégation, on a bandé, on a kati, et zara masolo y investissement. Parce que Fachi toujours na masolo nyoso, a zara besoin ti, mboka na pse za développer, misale mona na bandé ko social o toyo kaka, yango e zara du na misala. Alors, programme wana, to landi, nde to tangi ensemble. Sikoyo, tomeka ko développe yamo. Alors, bande ko to tangi biso nyoso wana, programme eza penda clair. Kinshasa, après Kinshasa masolo na président, makambo ebele ko solo la yango, na makambo ezoleka na est,
akutana gouvernement après wana ake Lubumbashi kuna masoleza osangana te to tangi bisonyoso et puis après akokende na Bukavu na hôpital Panzi oya Denis Mukwege kuna kinomona makamunde na ndenge kuma basi wana oyo Mukwege za ko traité toujours na violence sexuelle. Alors bande ko Denis Mukwege monde et chaque na place mususu mais na 2018 avant arriver à Fatshi ba lobela Denis Mukwege to éviter pourquoi gouvernement Liboso avant du gouvernement Liboso ba tia ko loba pena pona Denis Mukwege était na période wana a prix Nobel de la paix mais ba lobela ngote arriver à Fatshi nde masola ko kopela ko loba ma c'est ça. Alors, bakoza na kuna epa na en hôpital na yi. Et puis masolona ekoza na kuna ba mona koma parce que ba belge momo ba yebi masolo ndenge banda. Na makamo tozo vivre na est, bako vivre ango bango moko, couple royal. Et puis relique ya Lumumba eza déjà na Kinshasa. Ba opesa yango bandeko EDC na Belgique. Il y avait eu des bons moments, puis bah moi mon peu difficile. Mais ekozala kati ya masolo. Na masolo est tombé na tamoko a bien. Tant ba yawa ekozala basolo na masolo pe oyo ya ba Rwanda oyo. Ekozala traité masolo ekozala kito. Alo. Wana ezala ki premier point. Tokomo tika ona bino, tokomo kende na deuxième point. Bande koranga deuxième point oyo. Ezasom. Le deuxième point, bandeko, ezali ndenge tolobaki na introduction na biso. On va parler bandeko ya tête à tête Sassou na Fatshi a Oyo. Bandeko makambo a Rwanda. Tokoke nango bokomona ndenge nini bazo solola yango. Bon, il faut que Fatshi ait un message ferme dans Angola. Il faut que Lorenzo ait un sabato à CGRL et que Kagame entre la paix ou bien la guerre. Message à Fatshi, il faut qu'il y ait un qui m'a créé la danger. Parce que moi, j'ai des guerres au Banda. Donc, je ne vais pas renforcer. Biloko kuma okitana Nord Kivu habite makambo ezo ya minene oni akoti ya ye asali nyonso. Alors Sassou alobi masolo eyawa tosolola azwaka Fatshi yoka mwana nobasola masolo bwana. Alors Sassou alobi sur makambo wana ete il faut penda Rwanda ba retire ba soda na bango ba preve monani bandeko makambo ya Rwanda non mboka na biso pena sagesse kote wana biso to kanza moi ba soda Rwanda biso to eka ke ba pesi mona maboko ya Rwanda te ba pesi mona maboko ya mekanisme wana oya verification tala bango yo bango bazowanga na zwa ba soda na bango après wana bino mokobo kile kotike na bomba soda na bango mekanisme de verification ba soda na bango ba soda ba tandi tout ba deko ba soda na ko ba lobaki tout na interview na bango to la laga l'émission passe to kozongina. Alors maintenant makambo mwani clairement te Rwanda bazaki sima M23. Alors Sassou ajima solo na maboko Abiba solo na Fatshi sur dossier wana. Alors, tout en ensemble, ndeni masolo ngweza na oyo parce que ba voisin bandeko nde basa na soni parce basa sima invento. Alors, tout en anon ensemble ngweza ki na oyo bon to continue mission na biso. Alors, bandeko sikoyo tozo tanga ensemble.
Tête à tête, Tshisekedi et Sassou à Oyo. Sira fait Rwanda et M23 Boyoka Bandeko. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, séjourne depuis samedi 4 juin dans la ville de Oyo, plus de 400 km de Brazzaville, en République populaire du Congo. Selon le communiqué de la présidence de la RDC, le chef de l'État congolais, son homologue Denis Sassou Nguesso, devrait discuter des questions bilatérales et d'attention persistante à la frontière entre la RDC et le Rwanda. La visite de travail du chef de l'État et le prolongement de sa récente visite éclair effectuée à Luanda dans le cadre de la facilitation régionale autour des différents RDC-Rwanda. Makambuyo entre RDC-Rwanda, il ne fallait pas discuter pendant sa soupe. Parce que il y a le Conseil de sécurité. Bokoyoka, il y a le Conseil de sécurité. La presse présidentielle estime que Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso devraient mettre en place des mécanismes pour capitaliser les acquis de Luanda en vue d'une résolution pacifique de la tension entre Kinshasa et Kigali en posant la base de la stabilisation de la sous-région des Grands Lacs. Et Loko Fatia Kenegukuna, par ce Fatia a déclaré guerre, Sassou à l'obino. Ce qui est un peu tombé, c'est un peu tombé. Mais Tikato Yebisaye a retiré Basoudanaï. La visite de travail du chef de l'État et le prolongement de sa récente visite éclair effectuée à Luanda dans le cadre de la facilitation régionale autour des différents RDC. C'est-à-dire, Fatia Keneki Luanda a fait un message. Bisoto Nagon émission passée. Tout tira qui vient. Et Apona entre la paix. Ou bien la guerre, ça soit le bien, non, non, non. Bitumbati. Tika, makamotosu. Mais, babandaka. Présent, ça soit au calme. Mais, ton bandaka, la bazoyo kate. Tika, Fatias a raison de déclarer la guerre, là-bas. Ils devront aussi échanger sur les questions liées à la communauté économique des États d'Afrique. Basolo Linango. Et puis, dernière visite du président Félix Tshisekedi à Oyo, exactement le 12 février, na cadre ya sommet Oyo, basoula ki Museveni azalaki wana ezalaki wana. Bandeko, ce que tombe à vous parler yango, avant même tout le cas du Conseil de sécurité, parce qu'il y a Conseil de sécurité bandeko, les appellations. Bandeko. Brazzaville, arrivé à Oyo, je m'excuse, à Oyo, Sassou, à l'obina Fatih, non. Bitumbati. Parce que Fatih a déclaré que. Bitumbati. Tigato Solana Bang. Ba retire Basouda Wana. Et pas M22. Toke Nango, et à la Pacifique. Donc c'est ça, Oyo Kaka, Oyo message à Sassou. Mais n'est-ce pas calmer le président de la République? Et ça m'a bêté. Mais l'air, il faut que je prenne une décision à ma casse. Fatia, ça a raison, il y a combien? Il y a une guerre ou bien l'ingini? Papa, n'est-ce pas calme? Ce que Fatia, il faut qu'on élève tout le c'est-à-dire à mon trop, c'est tout. Pays à mon qui et comment ça a un abissou, l'air, n'y a pas. Ben, n'est-ce pas ça, la mawa? Mais. Makamoyo, Bisona Bango, écoute aussi la natre propre. Alors, na situation yo bandeko nanga, yo mwana clair meti, basoli na Sassou, ete makamoyo esi la. Po, trop c'est trop. Alors, mena, Nations Unies, basolo la ki, ba mona ki ete, pe ekota na makamoyo. Alors, et senga kete bakuta na Sassou pour kimia ekota. Bandeko Conseil de sécurité de l'ONU. Ba lobi Conseil de sécurité de l'ONU ba décidé ba moni penake ba tangi ba groupe oyo ba kozalati na masolo wana. Bandeko est grave parce que Conseil de sécurité ba décidé
Ete na masolo wana. Et moi, clairement, ete. Ba groupe wana ba kodeko. Ba groupe wanyo se sa mbulu ba kozalati. Don message za polele. Ba kozalati na Nairobi. Ba tangi na ba recta baro asiktivu. Ba tangi ba groupe arme wana nyonso. Alo. Mena ma kambandeko. E komi somo. Parce que guerre 1-23 FARDC kalate basali oyo ya kubaleki si trop c'est trop sasu aekotia kimia alobite dossier oyo tika bokutana alors bango ba retire batu na bango oyo baza sima ya 1-23 comme ça ba avance bande koza somo. Donc, ce qui m'a kamboyo, fatia kumko tomboka, c'est-à-dire trop c'est tout. Alors, ma sola ya oyo, fatia ba soli na sasu, na niveau à grand lac, et te mega kotia kimia. Bandeko, oyo biso tozo souffrir na est, mais Brazzaville, ba so souffrir yangote. Ce qui lelo fatia tomboli mongongo n'est pas c'est trop c'est tout. Et moi neke, ba voisin ba lekisi. Alors, sa soeur le bino, toke na wana kimia. Donc, c'est ça. Alors, bande konangaye, to yo kasiko yo, onu, bongo, parce que, bande ko, Nations Unies, en tout cas, Conseil de sécurité ba tangi ba groupe oyo baza ko éliminer na makambo oyo ya est. Alors toke ne diet wana po ya conseil de sécurité bongo to développer ma sur la biso peto yoka ndenge conseil de sécurité ba lobi sur makambo oyo zo leka na est ya EPC bongo to continuer mission na biso. Alors on va lire ensemble. Le Conseil de sécurité condamne tous les groupes armés opérant Botala na Sewana dans l'est de la République démocratique du Congo et les exhorte à participer au dialogue. Préoccupé par d'intenses activités de ces groupes armés dans les provinces orientales du pays, le Conseil condamne notamment les M23, la coopérative de développement du Congo, les forces démocratiques alliées, les forces démocratiques libération du Rwanda, la résistance pour état des droits Red Tabara, Oyaba Burundi, et le groupe Mai Mai, et plusieurs autres groupes armés nationaux. Bayebsi Bangwa, Bakende na Nairobi, Bakende Basolula. Mais Bissomo, déjà la RDC, de suite de Longola qui est M23. Mais Bangwa va tirer M23 na Kati. Bissou de négocier na Bangouti. Peuple à l'eau va négocier na Bangouti. Allons. Toyoka. Sikoyo, au Conseil de sécurité, bon, vous développez ma solo la mission parce que ça chauffe dans cette émission. Madame, Messieurs, bonsoir. Le Conseil de sécurité des Nations Unies condamne tous les groupes armés qui opèrent dans l'est de la RDC. Dans une déclaration parvenue à Radio Kapi ce samedi, le Conseil de sécurité appelle ces groupes armés à participer sans condition au dialogue interne à la RDC ouvert par les présidents Félix-Antoine Tshisekedi et Uhuru Kenyatta du Kenya, d'autres détails avec Paul Matendo Mayamba. Le Conseil de sécurité condamne notamment les M23, la coopérative pour le développement du Congo, les forces démocratiques alliées, les forces démocratiques de libération du Rwanda, Red Tabara, le groupe Mai Mai et plusieurs autres groupes nationaux et étrangers. Dans la même déclaration, le Conseil de sécurité condamne également les attaques récemment perpétrées contre les FARDC et la MONUSCO. Il demande aux groupes armés nationaux de mettre immédiatement fin à toute forme de violence, de sédition, définitivement de déposer les armes et de participer au programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation. Le Conseil de sécurité exhorte aussi les groupes armés étrangers présents au Congo à se désarmer et à retourner immédiatement dans leur pays d'origine respective. Par ailleurs, il constate les progrès accomplis dans la réalisation des engagements nationaux et régionaux pris au titre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC
et la région et engage les pays de la région à tirer parti de l'élan actuel pour avancer encore dans les règlements des problèmes qui font obstacle à la paix et au développement durable. Il engage également les partis à poursuivre leurs efforts visant à désamorcer les tensions et à s'abstenir de toute déclaration incendiaire et de toute incitation à la violence. Bande Konangato, la division Nyonso, wana, Conseil de sécurité de l'ONU. D'abord, Basengi, ba groupe armé Nyonso va déposer ba arme, ba kenena Nairobi. Na ba groupe wana Nyonso, biso de sito longo na kimoko. Ye Nairobi, pwe ou don mwaete, Bic Rouge, Bazaradi, M22. Donc, bango, il faut qu'on déloge bango place baza. Baza na place te. Yango, message oni ba pesi, ete, ba groupe armé ba kende kuna. Ba sengi, ete makamo e kende dans la paix. Mais, biso, toza na position na biso. En tout cas, fatibo continue ka position. Il y a un 23 koza la te. To longola ye to déloge parce que ya zana simana bapaya. Bade ko dossier à Rwanda. Parce ba yebi fachi très bien. Tambou ba yoki fachi a tombo ni mongongo a lobi ete batu a li susute. Ba lobi e mobule kotiao. Oni atini message ki miezala partout. Yango bozo mwona sasua sengi fachia ke na brasa. Me ba voisin trop c'est trop. Eze sou tama solo te alezi fatisi. Bon longo la, en 23 na ngomba wana ba longwa. Bo avanse ma solo. Peuple aza sima. Bande ko peuple aza mobilize na sepele ya to. Peuple pere aza mobilize. Na mo opoza pe ma komo loba. Me wane zana ebe Kongo ba sango television. Et moko kende kuna okoyoka interview ya Martin Fayulu. Baba ni ko comprendre ete makambango esfe singe la batubuza la bomoko. Pour l'intérêt ya moka. Alors, bando kia Congo tango ba moni ke pena ke masolo kalate ko sila bazo sepela te mete mebeta tout. Tu bon bos bolingi esila te ponani. Ndi we sala amawa. Ke un Congolais aligné kimieza na mboka na bisoti. Bando ka Congo bazo sepelate. Ndenge makambo eko sila, eko sila ko bogoyo ka pele ko sila. Alors, to lani message ya Conseil de sécurité. To tangi biso nyonso. Ndenge fachi na sasuba soli na oyo. Alors bande konanga point oyo. L'heure est grave, tout aussi la nana bango très propre. Alors, allez-y fades. Bozonga simate. Oni wana tati ma conseil, oh boy, fades bon longo la bango déloger bango. Pour le moment, na point 1-23, tout ça la confiance à moutumo côté. Bon kende bon longo la bango, ba quitter territoire d'abisso. Un centimètre à payer n'abisso bati à kouzouati. Alors, wana message à ma Congolais, allez-y fadisi. On y attache ma conseil, mais biso, un 23 kozana masolo ti Bic Rouge. Et continue kandengi wana. Alors, c'est à ce point, tu tiki. Deuxième point, tu komo kende. Na, troisième point. Bande konanga, tu komi na troisième point na biso, boyoka oyu André Mbata nubi. Bande ko sa chauffe. A lobi penzako que don eza jasili don Kabila a kokisu ko pose candidature a meina a longol pe ma kele nyons o batu baza ekotia bando boya ze expert na droit constitutionnel le professeur Mbata a chema kamuna mesa a lobi na bango point moko moko atangeli bango article 220.
po makele leleki bayaka bon poani kapo ba congolais babu ah mais ya songa suna pouvoir tala oyi manipulation ya ko songa suna pouvoir te tant premier vice président lobi ke Joseph Kabila a ko le kalisu suti ba congolais buto tia ensemble bo tanga bo comprendre oyu André Mbata lobi ke ex président de la république Joseph Kabila. Donc, ma solo est ceci. 2023, Azati. Bandeko, ce qui André Mbata tient ma kamona, mais ça a raison. Que sur Bele Bazako Tuna, est-ce que na FCC PPD, Moutmouta ko pose candidature, pourquoi Bamba Kamamika na ex-président de la République? Django Mbata, Aeko Lobela. Pourquoi ma kangamika anayi? Et sa possibilité? Alors, totanga ensemble bande konangai, parce que eza mawa. Boyoka oyo André Mbata lobi si Joseph Kabila et le FCC sur élection 2022. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale André Mbata s'est exprimé sur la question en rapport avec le retour de Joseph Kabila à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Ayeko loba parce que trop c'est trop polémique y a osakanati. Alors il faut la campagne à la messe. Se fondant sur l'article 220 de la Constitution, André Mbata estime que le sort de l'autorité morale FCC est déjà scellé. Donc sort il y a ex-président Kabila et Zadjassini. L'article 220 de la Constitution est clair. Notre ancien président de la République, que nous aimons bien, ne reviendra pas. Nous l'avons toujours dit dans les dispositions intangibles. Il y a le nombre et la durée des mandats constitutionnels qui ne peut faire objet d'une aucune révision constitutionnelle, et vous l'avez bien dit, on peut être éligible qu'une seule fois un mandat et pouvez-vous faire un deuxième mandat, c'est terminé. Donc, troisième mandat, Zati. Le nombre maximum de mandats d'un président de la République sur cette constitution, il est de deux, mais lorsque un ancien président va revenir, cette disposition ne lui permet pas de revenir. A fait savoir en débat d'un échange ce samedi 4 juin 2022 avec la presse autour de la loi électorale récemment adoptée à l'Assemblée nationale. Pour loi électorale déjà adoptée. A Elisi Bango était impossible. A Ekotia Lumière. Pour ma Congolais, ma Kelele. Itala. Bato tu boya kanaba foi info. Ta la vraie info en moi n'est pas professeur André Mbata. Botila okosa ba congolais, ko tia ba mpase ba congolais ba banda ah, mais zo ma disus. Wana tu manipulation. Donc, bozi grand réponse. Réponse moko clair était yé a kozongati. L'élu de Dimbelenge dans la province du Kasaï central affirme que le droit constitutionnel n'est pas une discipline facile. A une loi constitutionnelle est facilité. Mais de quoi ça m'ont dit à Yébi Yango? Tant qu'il y a lobby, éthique wana. Il a précisé que la constitution congolaise est différente de la constitution russe qui a autorisé le retour de Vladimir Poutine après le règne de Dimitri Medvedev. Cette disposition-là qui a existé chez les Russes avec Vladimir Poutine, les Russes l'avaient fait clairement, il parlait de deux mandats successifs. Tu peux aller te reposer et puis tu reviens. C'est ce qui avait permis le retour de Poutine conforme à la constitution russe, mais dans notre constitution ici, tu es parti, va déposer, il n'y a pas de retour. Et puis qu'on les laisse tranquilles,
nous avons beaucoup de respect envers Kabila. Wana message na yi a souligné yango na bato nyonso oyo bazalaki wana bandeko alobi na bango tala oyo ezalaki bandeko tala tango zolo ba yango bato yo FCC ko faut ba comprendre le kambo moko ete yasiaki akozonga lisusu ti alo alobi lisusu boyi de poursuivre parce que vraiment alobi pene ya mingi alobi na bango ke yakozonga lisusu ti au cours d'une interview accordée à lobi siko ya interview ya Remo Tshibanda coordinateur à celui la FCC a fait savoir que Joseph Kabila est le candidat naturel du FCC. Et rien n'empêche Joseph Kabila d'être candidat. À lui de faire un choix. Avait-il soutenu? Le PPRD, son parti politique, sera en congrès na Mikolo Zoya. C'est probablement à l'issue de ces assises que l'opinion pourrait être fixée si oui ou non Joseph Kabila annoncera sa candidature. Alobi bokomona na juin awa bazo sala congrès na bango Kabila akozonga te. Alors si ko tomeka ko développer ngwa san bandeko akozonga te bati fo ba comprendre yango clair eti ex-président de la République akozonga le sujeté. Bon, nous sommes la manipulation qui a opposé la candidature de Mosalati. Attends, tu as posé. Nous avons le FCC qui a manipulé. Mais tu as un problème. Parce que si tu as fait ça, tu as fait ça. Tu as gagné l'élection. Et ça, la démocratie, je suis d'accord. Pour faire ça, vraiment, tu as fait ça. Banda la gratuité. Kende don eza son. Mais tout y pas choix. Siko yo. Ton lo ba siko ya bloc patriotique. Ndebo moni wana na wa bloc patriotique ensemble. Bloc patriotique ba sangana. Siko mbata eko tia makambu clair ete Kabila bobo sanayi. Soki FCC. Bo moni ke boko bozana mututi bokozana bloc patriotique failu azawa na kupuze na ye tebe ke ba kosanga na bango parce que na FCC bandeko ezo kamo sa tebe le bazana mututi a part ex président Joseph Kabila mutu ba kochi azati ba kamika na ye mbata lobi bobosa na ye. Constitution à Bissou et Zanetiaba Rusté. Na Russie, Poutine a l'ouan qui a pris à Zongi, à Bissou et Zabon, on t'a fait cet exemple. Claire, pour ma Congolais, ma comprendre. Pour ma Ndoga, à Congo, ma Zoya, quand même, ma Kambo est belle, quoi, embrouillé, bat. Et ça, c'est tout le temps distraction. Loi électorale les a voté. M'bat à l'ouan, ma solo 2023. Bozaga, ma casse. Et Indarak. Alors, directement, bande konanga totanga sikoyo bloc patriotique. Tozonga na dossier la biso. Alors, les blocs patriotiques, ne bozo mona wana. Donc, ceux qui bazo kokati, soto comprendre le message en bata. Parce que, bango tuba kenaki, kuloba partout. Ke ya Kabila bozonga sikoyo. Baza un bloc avec Martin Fayulu. Bandeko ici, boye bina bino kezabo. O biso to oloba, yangoan, laissez-le si. Kabila, Fayulu forme un bloc patriotique. Donc c'est ça. Kandide koza anani, Fayulu. Donc Fayulu koza la, hein? A koza la wana? Bandeko, oyo kaka donc, makamboyo donc tozo yo donc ezape na bloc patriotique toye bango na mikolo ezo ya parce que
na juin wa bango bazana congrès parce que avant fin de l'année bango tout bango se prononcer tokoyeba yango élection 2023 kuza asomo donc 2023 bango sana ex président soki bango tout bango tia failu batia alors bande ko to comme si ko résumé point oyo ya 2023 donc to comprendre biso nyoso ex président de la république a ko légalisé et maintenant le corps a ko légalisé et comme si ko yo bloc patriotique basangali parce que catholique a sa sima na bango voilà qui message ya mbou asa ki clair à l'obaki nyosu. Dans un mois, il y a des camps. Catholique, Aza Simana Bango. Alors, Fayulu, Ako Tchaye Libaya, est-ce Ako Zala candidat unique à bloc patriotique? Wana, point d'interrogation. Parce que Mouzito, Asi Abenaye Naye. Mouzito, Abengi, Martin Fayulu, na, batu ya FCC, bata double G. Yangwana Muzito abenda ni nai. Ye akena nouvelle la nai. Makamwele kana mboka na bisozo tale mondire ba scenario de ozo comprendre kati. Ah. Muzito bozaki ensemble awa. Eh. Muzito benda ni nayo. Eh. Ah. Bon. Wana bande konanga eza som. Alors, to commence la 2023 de masolango koleka. Donc, André Mbata, tu sais, comme la lumière, tu vas y aller sous le terre, quoi, embrouiller, battu. Et ça, clair, tu comment tika, troisième point, Abino, tu comment Kenena, quatrième point. Alors, bande konanga, tu komina, quatrième point, Abiso. Awa, eza ya kuinda. Bande ko, ba chinois, batu opendako, bande ko, ba voix mina ndenga mukiti parce que tant ba tangi chiffre ya oyo ba koti na EDC c'est dit bango mokobe ba voix mita anzina ba minere na biso na interview ala journaliste atune na bato yo ba chinois ba salaka illégalement na Sud Kivu bande ko toko tira na interview ambassadeur ebuti na ambassadeur a Chine eza somo. Balobina makambu ya ndenge illégal ya fraude illégal alobi un arbre ya kokanga forêt mobati bazaba 20,000 chinois bazara RTC alobi boa mayu ya pe bazaba do bandime na bango bakangaka bango bande ko chinois asala grand business na ba or na biso ba diamant ba cuivre nyoso mboka na biso ba chinois ba voami pena na EDC problème na biso eza tant ba osala makambu nyoso wana batika nde ya mayuya batika nde ko benda ba plan na biso na mayuya oya legal baza ne ba sikomine tozoya na pona. Batu ni e question ke bongo bandeko so e ki réponse to e clairement di mine ke ba benda ba plana mayue ba chino ba voami na mboka na biswa ba bendi ba plana mayue oye tu ba kontra oye ba sinyaka na gouvernement liboso gouvernement liboso. Parce qu'il y a un contrat avec les Chinois, ils ont été écoutés. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a une mission Mingi. Tu as condamné l'ex-président Kabila. Il y a un docteur tout bazar qui est tout autour de l'ex-président Kabila. Il y a un docteur, un professeur. Il y a un contrat avec ya kitoboti fachaye ameki kwa arrangement solo wana
Ne Oye bimana ndenga mulili Ekeke ebele Babilo kwa mboka ebimi mingi na mayuya Alors Bashino Baye kusala interview Pona ba minere na bisu Eza mawa Ce n'est pas possible. Donc, baza batouyou, penza ba voami na ba richesse na bisou. Alors, babilo ke bele amboka na so ba voami na moussousou, et bele ba kangay ba ona ba kare minier na sud Kivu. Illégalement, oyo kaka fraude minière. Bokoyo kasi ko interview ya ambassadeur na bango. Mais avant de toke une interview, totanga na ensemble dossier ba chinois. Boyoka oyo ambassadeur chinois a lobby sur minera EDC et fraud. Les entreprises chinoises ont investi plus d'un milliard dans le secteur minier. La EDC est le troisième pays africain où la Chine a beaucoup investi dans le secteur minier. Bandeko selon Bango, Bokoyoka Wang Elong, Oazali Mokoya, conseiller ambassadeur, Yemute Akosa l'interview au nom de l'ambassadeur. Les investissements chinois ont contribué à l'augmentation de la production minière industrielle ici. A déclaré Wang Elong, ministre conseiller de l'ambassade de Chine à EDC, à marque de la table ronde sur les gouvernances minières qui s'est tenue du 24 au 26 mai à Kinshasa. Ces dernières années, les entreprises chinoises ont investi plus d'un milliard dans le secteur minier, ce qui a fait beaucoup monter la production minière à EDC, affirme Wang Elong. A lobby que Bango va contribuer. Plus d'un milliard pour investir. C'est quoi? Ce que total, on va bénéficier combien? Un milliard de dollars. Bah, tout n'y est question de Mayuya. Bah, l'obina y est Mayuya. Oh yo! Oh yo, bozo sala! Mayuya, oh yo! Bah, moni, bah, moni, illégal, na site Kivu. C'est quoi, bon, l'obini? Nini! Bah, ne quoi, ça, mawa? Ma, sur un côté à répondre, côté à Mayuya. Boyo qui n'a pas. Les diplomates chinois reviennent sur l'importance de la coopération sino-congolaise au-delà des questions minières. Alors, que Bissona Bino Tosana, relation, Yamunene, et ça va pour la minérité. Bande de quoi t'as la photo, Anna. Eh? Bah, cop. Où est-ce Mayuya? Namas. Ba soda pena bango ensemble. Et bela ba oro tozanango. Ba coltan, ba cobalt, ba nini. Ba chino ba zana nyonso, ba zana kati. Alors, sans plus tarder, to yoka interview, bongo, to continue mission na biso. Monsieur Wang, bonjour. Bonjour. La RDC a produit l'année dernière presque 1 800 000 tonnes de cuivre et dans votre exposé, vous aviez dit que la Chine y était pour beaucoup. Comment ça? Oui, exactement. Ces dernières années, les entreprises chinoises ont investi plus de 1 milliard de dollars dans le secteur minier congolais, ce qui a beaucoup fait monter la production minière en RDC. De 2007 à 2021, la production annuelle de cuivre en RDC est passée de 842 000 tonnes à 1 800 000 tonnes, plus que doublé en seulement 5 ans. Et parmi ce volume, 70% est produit par les entreprises chinoises. Fort de la coopération avec la Chine, la RDC est redevenue le troisième producteur mondial du cuivre. Elle a retrouvé sa place de premier rang en tant que producteur de minerais avec des équipements de pointe et des technologies avancées apportées par les Chinois à son compte. Quand vous nous brossez vraiment ce tableau, c'est juste pour dire que l'exploitation minière illégale qui est exercée par certains ressortissants chinois dans la partie est du pays n'est pas du tout représentatif de la coopération sino-congolaise. Oui, comme un dicton chinois dit, un arbre
ne peut pas cacher la forêt. Par rapport à 20 000 ressortissants chinois installés en RPC, ceux qui sont censés dans un état irrégulier sont vraiment très très minoritaires. La grande majorité des entreprises et ressortissants chinois œuvrant en RPC respectent bien les lois et les réglementations congolais, comme ce que leur demande le gouvernement chinois. Ils apportent une grande contribution au développement économique et social de la RPC. Par exemple, les taxes payées en 2021 par les entreprises chinoises ont atteint 1,3 milliard de dollars, soit 16% des recettes budgétaires de l'État, sans parler d'autres redevances ou dividendes, que ce soit en matériel ou en finance. Ce qui règne dans nos relations bilatérales, c'est l'amitié et la coopération gagnant-gagnant. Lorsque cette crise sur l'exploitation minière illégale avait éclaté, votre pays, en tout cas au travers de l'ambassade, s'était engagé à sanctionner les ressortissants chinois qui étaient impliqués dans cette exploitation minière illégale. Qu'en est-il aujourd'hui? Oui, on a fait des appels à ces gens-là d'abandonner ou bien se régulariser. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans la province du Sud Kivu, parmi les 6 à 7 sociétés citées par les autorités locales, il en reste presque zéro, hein. Peut-être une encore, il reste là pour régler les dernières procédures. Donc vous engagez aujourd'hui à faire en sorte que lorsque vous avez des ressortissants qui sont dans des activités minières, que ce soit à l'est ou à l'ouest du pays, que cela se fasse vraiment selon les prescrits de la loi? Oui, effectivement. Le gouvernement chinois demande toujours aux entreprises et aux ressortissants installés ici de se conformer aux lois et aux réglementations congolaises. Alors, pour revenir aux investissements chinois, vous aviez dit qu'aujourd'hui, la RDC était le troisième ou quatrième pays africain où la Chine investissait le plus. Dans quel secteur la Chine investit aujourd'hui en RDC, à part dans les mines? À part les mines, les entreprises chinoises investissent. J'aimerais citer comme exemple le port terrestre de Kasumbalesa, un projet à capitaux chinois de l'ordre de 230 millions de dollars qui a favorisé le commerce d'import-export de la RDC. Et je crois que cette liste d'investissement ne cessera de s'allonger, car beaucoup d'entreprises s'engagent déjà à investir davantage. Et donc, au regard de tout cela, quelles peuvent être aujourd'hui les perspectives en termes de collaboration entre les deux pays? Il y a beaucoup de perspectives de coopération devant nous, et cette année marque le cinquantenaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la Chine et la RDC. On va profiter de cet événement historique pour faire porter nos relations et notre coopération à un nouveau palier. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, Bande Konanga, tu l'as dit, interview Bissonios. Bah, Chinois, 1 milliard, bah, investir dans le Mboka, bah, côté ici. Bah, tu n'y es que bon, bah, zo travail illégal. Alors, bah, on va à peu près 20 000, bah, Chinois, mais, bon, il y a une appelée expression, il y a un arbre, na forêt. Donc, c'est-à-dire, parmi les Chinois au bazar à EDC, il y a un ambassadeur conseillé à l'objet d'interview. Bon, mon akoma, batouyo, bat travail na ma yuya na mboka na biso. Il est illégal na circuit. Bazar est suspendu. Yango, ministre na biso Amin, il fazala ma kasi na ma kambouyo. Parce que les Chinois sont tiki bango tan. Bako sasa. So moni batu ba américain ba lembi bango. Bandeko. Côté informatique. Électronique. Ba portable. Ba américain ba lembi. Bango ba salab bloko na marque na bango pe ndenge mona oyo bino bo sali. Me bango sala monka ya gauche droite. Mezo sala pe vri. E sala pe la. Chinois amayi. Mboka na bongo se développer makasi. Kosala kosie ba contrat ba chinois ya mabidi. Bande ko baza batu mo ba yebi bulu. Problème de contrat liboso nde kena ki vriti. Contrat li de bébé si makambo tout au vivre. Ce qui ba on le bazo le ouvertement d'interview ba milliards de dollars investi. Bongo va bénéficier combien? Bon, mon a comment? Bah, Congolais, t'as là. Tozambo, kamoko, zana, richesse, à Moussakanati. Tolani, bisogno, soana. Le problème qui est là, bisomoko, to bénéficier combien? Pourquoi? Bah, contre, zaki, bien signé, dit.
yango gouvernement yakala il faut bandi maka omukonja mboka no baki mboke si kufa tozotunga yango bakopa ba chinois siwe komi polele ba arranger na bango ba exclure bo nyoso bazako travailler illégalement na circuit bache bango libanda bande kweza somo faut comprendre et pas mboka na biso outil maintenant fachi na tana ye ba meki ko arranger nyoso bande ko bazalaki na nini moko conference mont simba minere na biso parce que nous avons tout ba congolais tous na nyoso et nous au singa gérance to comme na pona to sur moi na mboka au sommet de l'état azo gérer mboka ce qui doit soutenir est bien bande ko tala ba recette zo kota ministre finance Nicolas Kazadiba uta uloba dernier ma ki mboka pena tozo zonga na nzela kote wana mais eko tja biso temps bande ko niveau mboka koma ki eko zonga kamba na mokote et si una bitumbo pe toza na ngona lesa ba pesa fachi tabo ko to komona biso nyonso mais problème tozo loba ezani eti mena mboke zozonga na nzela malembe malembe na ba chinois kaka parce que bango tabandeko ba yebi mende fo ko sive ba mon côté mayuya soko do sive ba mon côté mayuya e ko sera vrai mais soko do sive bango te mawato parce que bango ba sakana kati côté mayuya mais to la di na interview wana omo na pena ke oui batoyo ba sali pena la oyo kite komi kote ya ba kare minye ilego oyo ezalaki na Sud Kivu omote kote kuma beti mwa munoko na interview e kombe expression ke na breo kuvi fori oh ba miyibi wana il faut mena minisa min aba na biso ko sala asenisma na ba kontra minye wana nyonso ya ba chinois e komi ta ba kongole ba mona clair na ba matière première tout ça mboka ya tellement riche kaka ba chinois ba bénéficie soki ba koti 1 milliard wana eza na voie normale bongo oyo ba bengi na pembe toyoki na interview ezo senga mboka oyo bandeko toza na richesse ni toza nde bomoko alors ba chinois baza batuyu vubotala bango bien bango na bakop so boza mayele na bango te mawato alo bandeko nanga ba minere eza tro na mboka na biso e komi ta kongole a benefisie nango po mboka mawato e komi ta oyo bakongole ba benefisie ba richesse na bango pe bato bavoma na ba richesse ya mboka alo bandeko nangai merci na nde bolandi emission to komi na fin mission na biso bo continue ko s'abonne massif ma bo partage bo yisa bande ko nyonso soza na bona Facebook ete ba ba s'abonne na Congo News 24 bo partage ba message wa ba chinois au revoir à la prochaine.